Bienvenue dans ce feat en famille un peu bizarre. Voilà, on est à l'apéro. Ouais. Bah, c'est pas donc dans la cabane. Si, non, mais si on est à l'apéro, déjà, c'est pas bizarre pour ici. Non, c'est pas bizarre. C'est comme si c'est on juste... filmait un jour au goûter, c'est pas bizarre. Le cadre est. Ou dans un gros petit déjeuner, c'est pas bizarre non plus. Ou en train de manger, c'est pas bizarre. Oui. Donc, bienvenue dans cette vidéo, pas du tout bizarre. Donc aujourd'hui. Aucun suivi. Ah, il n'est pas cassé ton. Non, mais moi, je casse pas les verres. Je m'appelle pas Maximilien, moi. De quoi, il a cassé le truc, non, il avait cassé un verre. Il a cassé le verre. Hein, mais il a aucune mémoire. Ah non. Mais c'est impressionnant, mais, non, mais c'est pas rien, du... c'est un poisson rouge. Pas du verre, mais voilà quoi. Oh là là. Le thème d'aujourd'hui, c'est avec quel personnage de jeu vidéo on aimerait survivre sur une île déserte. Non, passer, enfin, rester jusqu'à la fin de ses jours sur une île déserte. Ah bon. C'est très important, c'est ce qu'on avait dit au début. Jusqu'à la y a fin pas de d'espoir, t'es perdu au milieu de l'océan, t'as ton île, personne n'ira te chercher. Ah ouais, mais non, mais moi et tu t'échoues. Tu t'échoues avec... Bah non, il faut bien choisir. Non, mais moi j'avais un avis. Du coup, c'est Walpushen qui l'a. Et du coup, bah... Ah, la voleuse. Du coup, j'avais choisi un autre truc, mais pour me dire, je vais m'échapper. Ah, bah, tu verras. Bon, on verra. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va débriefer. Peut-être avec un espoir de s'échapper. Bon, allez. Sur ce, juste... Non, rien. Il n'y a non. Pas sur ce. Ça bah sera oui. Coupé. Il n'y a rien. Je suis rien. Ça fait déjà 3 cuts. Jingle quand même. Hein. Une minute de vidéo, 3 cuts. Oh là là. On va commencer tout de suite cette vidéo juste après le jingle. Heureusement voilà. Qu'on est là. Jingle, bon. T'as pas dit. Elle a pas dit. Voilà. Ah, elle, ah, elle a pas dit. Elle a tout planté. On est obligé de tout faire. Après le jingle. Jingle. Alors aujourd'hui, on a oui. Une invitée. Très spéciale. Très spéciale. Donc Walpushen. Ouais. Voilà. C'est rigolo, comme de son nom Instagram, oui Instagram tout ça, bon, partout. Ouais, partout, même sur sa chaîne YouTube. Mince. Elle a une chaîne YouTube. Yo, je te tue là tout de suite. Je vais retourner à Nantes, bon bah merci, c'était sympa. Hein. En plus, elle vient dire qu'elle est de Nantes. Ouais, t'as tout dit, Alors, elle manque juste ton numéro de sécurité sociale et c'est bon. Toi, tu le connais pas. C'est vrai. Ouais. Comme ça, on peut pas me le soupirer. Ouais, ouais, d'accord. Mais... On va commencer comme à chaque fois par la présidente. Ouais. Pour son choix. De sauf qu'elle a pas d'idée. Personne. Aucune idée, moi. Non, donc on commence pas par la parce présidente. Elle veut rester toute seule sur son île déserte. Non, pas forcément. C'est pas ce qu'elle a dit. Ou un esclave. En off, elle a dit, elle voulait bien être avec quelqu'un qui, à la limite, lui fera un peu la conversation sans la saouler. Et qui, éventuellement, pourrait lui construire un bateau pour qu'elle puisse se barrer. Ah oui, mais sans ça. Lui. Lui va construire le bateau et elle va se casser. Tout de voilà. Suite, les grands. Tu goûtes. Attends, attention, dégustation. Hein. Ouais, dégustation, parce que c'est écrit bière. Non, goûte, je te dis. Attends. Ben, vraiment nul. Hein. Mais voilà. Pas. La puissance. Ouais. Voilà. Ça, dévisser, c'est la puissance, hein, madame. On tourne. Pour enchaînement. Hein ça, c'est pas mal. Voilà. Enchaînement. C'est pas du tout impressionné, c'est vrai. C'est quoi, du coup. C'est bon. Ah. C'est de la bière. Bon, en fait, c'est de la bière pour adolescents. Mini dictateur qui est en train de se faire une tartine pour changer. Ouais, de bons produits. D'habitude, d'ailleurs. Elle les fait à l'avance et elle les met dans ses poches. Mmh. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle les fait. Alors, ton choix. Alors, j'en ai deux. Elle en a deux. Ça commence bien. Putain. Et on reste poli. On sent que c'est de la dictature. Alors, c'est quoi tes. Déjà, s'il faut rester sur une île de sœur toute la vie, je vais prendre Tom Nook. Parce qu'avec lui, on va créer une île. Ah, mais t'es déjà sur une île. Non, mais un village. Voilà. D'accord. Donc elle veut bien une île déserte, mais avec un village dessus. Elle va créer le business, tu vois. Voilà, c'est ça. Il n'y a personne sur son île, il n'y a que Tom Nook et elle. Ouais. On va faire un business, t'inquiète. Putain, c'est bien la seule qui va choisir Tom Nook pour partir sur une île déserte, à mon avis. Non, c'est bon. Non, t'as fait la non, c'est bon. Et on a l'image. Et c'est quoi ton autre choix? Link. Pour changer. Ça, c'est parce qu'elle est. Mais il parle pas. Mais il parle pas. C'est bien pour faire la discussion. Il parle pas, lui. Bah quand oui. Tu prends Link, tu vas te faire chier. Comme ça, il va être d'accord avec moi. Si je lui dis un truc, il va faire. C'est malin. D'accord. Ouais. Ouais. Moi, je dis que c'est ton copain, hein, techniquement, mais bon. Non. Si. Mais c'est faux. Si, c'est vrai. Ah, si, il voit la vidéo. Dédicace. Dédicace. Ah, il a une voix, c'est rien, on sait la voix faire. Et bien. Donc, oui, bah, c'est pas un mauvais choix, finalement. Ouais. C'est pas mal. Parce qu'elle a un chevalier servant qui va pas la saouler. Mmh. Et elle a Tom Nook qui va tout construire. Mais bon, tout à crédit. Ouais, tout à crédit. Ouais, alors, mais bon. Elle le rembourse en clochette. Hein, après, elle fait une visite d'une autre île, elle récupère 2-3 villageois.
Ouais. Et après, ils payent une taxe. Ils enlèvent. Après, ils payent une taxe. Moi, je veux pas de chiffres. En fait, c'est Animal Crossing, ton île. C'est une île pas déserte du tout. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, ouais, bref. Bon, tant mieux. Passons à Walpution. Ah. Quel est ton choix? En réfléchissant, j'avais choisi Lara Croft. À rester toute seule, hein, sur une île déserte. Bah, Lara Croft version mec, alors. Mais je sais pas c'est qui. Bah, ça Nathan Drake, ça s'appelle. Bah, Lara Croft version mec, c'est Nathan Drake. Ou Indiana Jones. Ils lui ont coupé les cheveux, voilà, ils ont retiré les seins, et puis ça s'est devenu Nathan Drake. Mm-hmm. Mais sinon, au départ, c'est Lara Croft. Mm-hmm. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mm-hmm. C'est pas un mauvais choix. Après, lui, il va chercher parce qu'il aime bien trouver des trésors, des trucs. Bah, il y a peut-être des choses. Bah, après, sur, Il faut que sur ton île, il y a des grottes mystérieuses, ça peut l'intéresser. Bah, tout dépend de la taille de ton île aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit à taille. Bon, ah oui, bon, bah, une île quoi. Une île quoi. Il y a un King Kong au milieu. Ah non, putain, ils font trop. Et le village au chelou. Il est trop encombrant. C'est lui le King Kong sur l'île. Ça va, là, je t'en mets. On a vu un gars, on aurait dit King Kong. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une vraie. Ça, c'est vrai. J'avais les cheveux longs, enfin, un peu plus longs que ça. Ah. J'avais une veste en espèce de moumoute. Oh. Et mon jean ou je sais pas, un autre short chelou. Ouais, la barbe comme ça. J'achète un truc et puis après, eux, ils passent. Et t'as le vendeur en fait, qui dit à son voisin de palier. Oh, j'ai tout vendu à un jeune, on aurait dit King Kong. Ouais. Donc voilà, donc je suis King Kong en fait. Donc c'était un truc de secours populaire quoi. Ouais. C'est vrai. Donc, bon choix. C'est vrai que c'est bon choix. Bon choix, moi je dis bon choix. On enchaîne avec le gros gamin. Alors moi, j'ai deux choix comme initiateur. Alors t'as vu, il s'est plaint pour deux pour mes deux choix. Alors moi j'ai tout obligé d'en mettre. Non mais parce que mon premier choix a été volé. Ah. Parce que c'était Lara Croft du coup. Et elle a pris Nintendo. Elle l'a pas volé. Ah ouais, bah ouais, du coup, bah voilà. Non mais il suit rien. J'ai suivi, mais c'est rigolo. Non, il suit, mais il a déjà tout oublié. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça, au montage, je le rappelle. Allons-y. Donc, merci. J'avais choisi Lara Croft. Oui. Et après, avec cette histoire de Tom Nook, je me suis dit, des persos dans Minecraft. Comme ça, en fait, sur mon île, c'est devenu Minecraft, tu vois. Donc j'ai une tour Eiffel. Quoi, j'ai le col de je sais pas quoi. Ah là, oui, comme dans le bouquin. Ouais. Mais j'ai plein de trucs. Mais c'est chiant, tu vas avoir un mouton tout carré et tout, un cochon tout carré. Eh ben au moins ça se bouffe. Oui. Ouais, ça va faire des côtes de porc carré quoi. Bah c'est pas grave, ça se mange. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon. T'as des poulets, t'as des chevaux pour... Ouais. Tu peux même faire des montagnes russes. Bah ça va faire du boulot tout ça. Ah bah c'est pas moi qui bosse hein. Et en plus ah ils bon parlent pas. Bah tant mieux, ils vont pas me saouler comme ça. Il y a pas des zombies aussi? Si, ouais, les zombies, il y a des araignées, il y a des... Putain c'est tout l'Australie, j'ai même Julien moi. C'est l'Australie en fait. Truc. Mais c'est l'Australie. C'est l'Australie. C'est l'Australie. Pourquoi nos amis australiens? Votre pays c'est de la merde totale. Franchement. Pas les kangourous. Franchement c'est horrible. Tu te baignes, tu te fais croquer, tu arrives sur la terre ferme, tu te fais piquer. C'est ça. Tu rentres plus à l'intérieur des terres, tu te fais mordre. Mm. Et toi, c'est quoi toi? On l'a pas su. Hein. Bah, on attend la présidente. Bah, moi, en fait, je sais pas. Elle sait pas. Bon, bah, sais bon, pas, bon, bah, on va faire moi. On va faire moi. Toad, parce qu'il construit des choses. Bon, on savoir... ouais. Donc, Toad sera abandonné sur l'île, elle lui prendra non, son bateau. Non, mais pourquoi ouais, l'abandonner? Il est trop mignon. C'est toi qui l'as dit. Tiens, donne non, j'ai pas verre. Tu veux ça? C'est toi qui l'as dit. Tu te faisais un bateau, puis tu te partais avec. Non mais Toad, tu peux pas l'abandonner, il est trop mignon. Bah oui, bah oui. Toad. Elle voulait pas un Yoshi, ça, un peu galoper Yoshi, et tout. Il est super gentil, mais bah il après, sert à rien. Tu fais quoi avec lui? Si, parce qu'elle pourra monter dessus pour faire les 50 mètres qu'elle doit pour aller faire pour aller à la mer, tu vois, par exemple. Elle le fait pas avec ses pieds, du coup. Elle monte sur le machin, tu vois. Ouais. En fait, il me fait passer pour une vraie feignante, quoi. C'est vrai. Pas du tout, pour une dictatrice en puissance comme l'autre, là. Mmh. Attends, sur une île déserte. Là, elle nous a dit tout à l'heure, je vais prendre un gars, puis il ne faudra pas qu'il me parle trop, sinon il va me saouler. Ouais. D'accord. Bon, alors mon choix. Allez, le choix du padré. Mon choix parce que moi, maintenant, avec la technologie de maintenant, ah oui, c'est je vrai le dis pourquoi je le dis. C'est d'ailleurs un de mes des potes de POA qui l'avait dit, finalement, on pourrait recharger n'importe où maintenant une batterie ou un truc au niveau solaire. Bah, en général, sur une île, t'es plus emmerdé par le soleil que par la flotte, quoi. Enfin, bref. Ça dépend de la région. Bah, ça dépend de Koh-Lanta. Non, hein, non, on parle de l'île dans les bonnes périodes, quoi. Ah ouais, bah, donc moi, je la rechargerai. Donc, je prends Kara, tout bonnement. Alors, je crois que son code, Kara c'est Mail. AK400 ou je sais pas quoi. Ouais, donc, Kara, bah, pour ceux qui ont fait le jeu, c'est dans Détroit Become Human, en fait, tout bonnement. Mmh.
Et c'est ce fameux personnage qu'on incarne au tout début, parce que je crois que c'est la première, qui prend cher chez le gros con là. Donc voilà. Donc t'as qu'une envie, c'est que bah de l'aider, parce que elle revient quand même de réparation en plus, hein, au début. Ouais. C'est-à-dire qu'il est allé la chercher au magasin parce qu'il lui avait maravé la gueule. Ouais. Et il l'avait pété, ouais, machin. C'est vachement violent au début. Donc, hein. Ouais. Mmh. Et du coup, il recommence ses conneries, il veut retaper dessus. Et après, la peau. Et c'est ce côté qui, c'est ce truc qui donne un côté très très humain, quoi, finalement. C'est ça. Et finalement, moi, bah d'abord, ça serait une pote. Ça, elle serait jamais en panne, machin, parce que tu la recherches, c'est bon, ça repart. C'est comme de la haute technologie. Mmh. Et puis, si t'as pas envie qu'elle te saoule, mais t'as les grains de sable, ça rentre dans le. Rien du tout, ça rentre rien du tout. Il y a des trucs qui sont. Ah non, mais une plage avec des galets, c'est pas de sable. Elle peut même aller dans l'eau. Non, mais tu l'entends. Alors, elle a une île. Alors, voilà. Il y a une île. Faut pas de sable. Il y a pas de sable. C'est des galets. Parce qu'une plage normande en galets, on connaît. Mais une île avec des galets. À chaque fois que j'ai vu une île dans le monde, il n'y a pas un putain de galet dessus. Il y a du sable avec un gros rocher à la con. Mais c'est horrible, quoi. Le sable, c'est des micro-galets. Tout petit. Oui, c'est bien usé. Ouais, c'est la mer qui a usé. Donc c'est bon. Bah ouais, c'est bon. Ils sont trop petits. Mais les sables dans les îles désertes, c'est de la vraie farine, c'est magnifique. C'est horrible. Voilà, il faut un hôtel avec du shampoing. Du shampoing et de l'eau. Bon, laisse tomber. Et après, dis un week-end, on va à la mer. Ouais, non, mais c'est qui demande dedans. On va à la mer, mais t'aimes pas. T'aimes pas, tu vas encore violer qu'il y a du sable. En fait, je vais à la mer pour faire plaisir aux gens quand même. Hein. Parce que les gens, ils aiment bien. Mais j'aime bien me baigner. Mais c'est elle qui se propose. J'aime bien me baigner. Ah. Moi, j'aime bien les baigner, moi aussi. Ah oui. Ouais. Moi, je préfère au chocolat. En Pologne, là. Moi, je préfère au chocolat. C'est mieux au chocolat. Hein. Ouais. À la rose, ils sont très bons. Une fois, j'en ai goûté framboise aussi, c'était très bon. Même quand tu fais beignet framboise. Je pense même d'ailleurs que j'ai une préférence pour la framboise. Ah ouais. Ça se mange mieux, c'est moins écœurant. Voilà. Ah si, j'ai envie de framboise maintenant. Ah, j'en ai pas. Ah, j'en ai pas. J'ai pas pris de Par contre, on a des fraises. On a des chutes de fraises. Ah, beignet framboise, non, on n'a pas. On a de la glace aux framboises. Les choix sont divers et variés, sauf qu'on n'a pas vraiment le choix de la prison, si elle l'a dit, Taude quand même. Taude. Oui, il est mignon. Le pauvre, il va souffrir pour rien, lui. Pour regardez les étoiles. Mais il souffre tout le temps pour rien. Il habite avec Peach dans son royaume. Je crois qu'il souffre pas, le truc. Ah oui, j'avoue. Vas-y, construis-moi. Mais il sera bien avec moi. Parle-le en rose. Répare ça, ça marche plus. La plomberie, elle est naze. Il est où ce gros con de plombier? Mario, putain, tu verrais pas le château, merde. Et bah tu te fais chier, tu te fais chier. Et l'autre, le pauvre sur son île, ça va être le sable il est trop petit, transforme-le en galet, fais les agglomérer avec de la caustique. Putain, mais c'est quoi? Mais putain, vivez sur une île déserte, c'est désert. Des briques de sable. Ah, mais des briques de sable, l'hôtel s'est pris pour un maçon. Ça y est, c'est l'industrie. Ouais, ton île, c'est fini. C'est Manhattan après l'île. Voilà. Monsieur Manhattan. Monsieur Manhattan. Au grand jamais. C'est la fin de cette vidéo un peu longue. Peut-être. Un peu bizarre aussi. Un peu bizarre hein. aussi. Ouais, avec des choix à la con. On est tranquille. Ouais, et avec de très bons choix. On a une invitée exceptionnelle. Orange, je compte de sur marque. Toi. Une invitée de marque. Hein. D'accord. C'est pas une contrefaçon déjà. C'est une vraie marque. Hein. J'espère pas. Hein. Il y a un tampon. Tout. C'est marqué. Made in Pologne. Made in China, comme on a mis à Yami dans son cou comme des cons. Bon, allez, sur ce. Bon dimanche. Dimanche prochain. Pour une nouvelle vidéo. Voilà. Il n'a pas dit nouvelle vidéo. Mais il oublie tout depuis tout. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Il est perturbé.